Chers téléspectateurs, 5 de pique célèbre la peintre Marie-Thérèse Amoun. Née dans les années 40 au Caire et décédée dans les années 90 à Beyrouth, Marie-Thérèse Amoun est la fille du fameux ingénieur libanais Salim Iskandar Amoun. Ce dernier a notamment construit le pont Kasr-el-Nil au Caire. À 16 ans, élève surdouée, pianiste brillante, la jeune fille entre à l'Académie des Beaux-Arts de Rome. En 1965, l'étudiante est diplômée en dessin et en histoire de l'art. La même année, elle s'installe à Beyrouth. Elle enseigne aussitôt à l'ALBA. Elle intègre également le corps professoral de l'Institut des Beaux-Arts de l'Université libanaise à partir de 1967. Entre 1960 et 1967, Marie-Thérèse Amoun tient plusieurs expositions individuelles en Égypte, en Italie et au Liban, notamment à la Galerie One en 1970. L'espace a été fondé par Hélène Hall, retrouvez sur YouTube l'épisode que nous lui avons consacré. Entre 1967 et 1974, Marie-Thérèse Amoun participe à plusieurs expositions collectives. 5 de pique vous présente « Mouvement ». L'huile sur toile a été exécutée par Marie-Thérèse Amoun. Le tableau appartient à la collection du ministère de la Culture au Liban. La construction graphique allie la géométrie et l'abstraction. Est-ce un immeuble ? L'artiste ayant vécu dans des villes peuplées ? Est-ce un instrument ? La peintre ayant été musicienne ? La cadence rythmée provient de la forme verticale. Au centre de la toile, la base varie du bordeaux au rose. La matière dense donne un effet compact. En s'élevant, elle gagne en légèreté. Elle est hachurée par des traits fins qui la parcourent. Il quadrille l'espace. L'association du vert sur les bordures inférieures de la toile, couleur complémentaire ou rouge, renforce la figure principale. Entre les deux opposés, le jaune largement employé joue l'arbitre. Il permet à l'œuvre de jouir d'un éclat festif. La recherche chromatique et géométrique produit une sensibilité correspondant à l'héritage de Sonia Delaunay, chez qui la lumière célèbre toujours le coloris. L'expression de Marie-Thérèse Amoun fait de la couleur un véritable mouvement pour reprendre le titre du tableau. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour partager 5 de pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban consacrée à l'art, voire à la lecture esthétique.